bonjour à tous. Aujourd'hui, on est au parc Astérix pour la saison d'Halloween. Et on est évidemment accompagné de notre Jumble. Hello. Et d'Aurélien. Coucou. On a pris évidemment des filets automatiques parce que début de mois d'octobre, il y a déjà énormément de monde. Donc, évitez d'attendre les 2 heures d'attente parce qu'il y a dans toutes les files. Et donc là, on se dirige tout de suite vers un petit goulurix. Voilà, des familles. De Goudurix qui, moi je l'aime bien honnêtement ce coaster. Oui, tu prends des énormes baffes, ça fait un peu mal sur le moment. C'est un Vekoma qui fait mal évidemment. Moi je suis désolé par rapport à sa réputation, il est pas si mal. Là on est passé comme vous avez vu dans les rues de Paris qui sont décorées pour Halloween et je trouve ça vachement bien parce que le reste de l'année ça fait complètement abandonné et c'est dommage parce que ça fait vraiment, vraiment pas du tout entretenu alors que pour Halloween ça fait vraiment quelque chose de beaucoup plus sympathique. Et là du coup on se dirige vers Osiris. D'Osiris qui est toujours aussi bien. Il vibre un tout petit peu au début, mais c'est pas dérangeant, il est super agréable. Qu'est-ce que vous en avez pensé pour les premiers BM? Moi je l'ai beaucoup aimé. L'invertide en fait, ça change pas grand chose. Enfin, c'est juste les inversions du coup qui filent différentes. Et je pensais pas, mais j'ai jamais passé un looping aussi doucement. Ouais. Tu flottes et il y a pas vraiment de sensation, c'est on flotte quoi, on vole. Voilà. Oui, non, franchement, voilà. À refaire. Et là du coup, on se dirige évidemment vers. La belle nouveauté 2023, Toutou. Tout à 10. Mais toi, t'as pensé quoi d'ailleurs? Franchement, premier coaster invertible, incroyable. Comme il dit, ça vibre pas. Tu flottes, tu voles, c'est génial. Enfin, franchement, super attractif.
retour de Toutatis. Mon Dieu. Comment il est, Toutatis? Ah, il est excellent. Il est bien. Une petite pépite, là, française. Mais magnifique. Magnifique. Ça fait mal. Je suis serré vraiment de fou avec la barre là. Qu'est-ce que je voulais dire? Aïe. Non, il est pas du tout agréable ce coaster. Mais je sais même pas si vous entendez quelque chose. On sort de la trace du roi et de Toutatis. Toutatis, qu'on a fait 3 tours, c'était excellent, c'était vraiment bien, il est toujours aussi bien. Même je le trouve plus intense qu'en début de saison, je sais pas si c'est normal ou pas. Mais ouais, c'est, il est vraiment toujours aussi surprenant. Trace du roi, c'est catastrophique, ça tremble, c'est pas agréable. Il y a juste le seul truc positif, c'est qu'il y a des très jolis points de vue sur Toutatis, et d'ailleurs je vous les mets en vidéo, comme ça, pour le plus grand plaisir de vos yeux. C'est important de le préciser, ce qu'ils ont en menu a l'air excellent. Par contre, le prix, c'est une honte. 32 balles pour un menu tout seul, bon, on est vers Paris, tout ça, je sais, mais c'est extrêmement cher. Là, on est allé là parce qu'il n'y a pas trop d'attente et que... Bah, aujourd'hui, clairement, on est des flemmards, on n'a pas le goût d'attendre, quoi. 32 balles pour ça, c'est extrêmement cher. J'ai un dessert, un burger, des mots d'astiques et une bouteille d'eau. C'est vraiment abusé. J'aime beaucoup le petit chocolat, n'empêche, la rappe là. Ouais, le petit festival Toutatis, là, il donne... Il est appétissant. Là, on fait une petite pause, du coup, on se revigore et on ira reprendre un peu les attractions après. Tonnerre de Zeus, on fera vraiment tard parce que j'ai pas envie de m'exploser la gueule. Et voilà. On sait que c'est super rapide, il y a des bornes pour commander. Et même s'il y a du monde, là, il y a énormément de monde dans la zone. Hein, vous pouvez le voir en arc-plan. Vraiment, j'ai attendu, mais 2 minutes, quoi. C'est allé super vite, quoi. C'est cher, mais rapide. On vient de finir de manger, comme vous pouvez le voir, on est dans Menhir Express. Oh, ah. On voulait faire attention au menhir, mais on peut pas malheureusement, ça a été enlevé des fils automatiques. Et vous entendez bruit. On sort du Flume et on va directement au Super Splash. On va en profiter puisque nous sommes trempés déjà. Quelques attractions aquatiques qui bouillent énormément, vous avez vu le Flume mouille vraiment beaucoup. Et comme vous pouvez...
sais pas ce qu'on fait là, je ne veux pas être ici et on va le regretter instantanément. La first drop est cool, le reste est horrible. C'est interminable cette pourriture là. C'est vrai que ça donne mal au crâne. Par contre les parties au track sont supportables. Mais même une ligne droite tremble, c'est pas possible. J'ai vu un wooden coaster aussi. Ok, c'est éclaté, c'est un des pires. Après reste à tester celui de Walibi Belgium. Alors, on sort de Tonnerre de Zeus, c'est une pure merde comme d'habitude. Ça n'a pas changé, il vibre, il est pas agréable. Laissez-moi tranquille, laissez ma boisson, non mais c'est pas possible. Je disais donc, Tonnerre de Zeus. On va s'intéresser un petit peu à la faune et la flore. Non mais laisse-moi tranquille. Du coup, je disais donc, Tonnerre de Zeus, ça pue la merde, c'est horrible, ça tremble, c'est mauvais, ça va dans... C'est incroyable d'avoir un wooden coaster aussi pourri, mais détruisez-le. Vous direz que c'est bien à côté de Tonnerre de Zeus. Voilà. si je puis, c'est vrai que Woodurix est loin d'être le pire coaster du parc. Quand t'as Tonnerre de Zeus, c'est clairement pire, donc c'est pas le pire coaster Woodurix, non, même si ça fout des baffes. Le parc est très joli pour Halloween, mais gros inconvénient, c'est qu'il y a vraiment plein de zones qui sont pas du tout thématisées. Donc il y a des zones comme Paris qui sont magnifiques, très bien thématisées et tout. On a plus de son, et là on est dans la zone de Toutatis et il y a vraiment rien n'est thématisé. La zone vers Pegasus Express n'est pas thématisée non plus et c'est dommage. On sort de Pegasus Express, il était bon, il était fluide, il était sympa, j'ai pu filmer le ride. Le gros problème, l'énorme problème, c'est des gamins qui s'amusent à hurler, mais genre comme s'ils étaient chez eux. Autant que tu hurles de joie, de peur, ça se comprend, mais là ils hurlaient pendant le pré-show et ça gâche tout, c'est dommage. D'ailleurs le système de caddie dans Toutatis, autant... Oh pardon, excusez-moi. Autant les caddies sont pas beaux du tout, autant ça permet vraiment un rendement qui est vraiment excellent. Mesdames et messieurs, rejoignez la
file d'attente. Et profitez-en pour jouir une dernière fois de votre insouciance. Maintenant finir notre journée sur Rotatis, sur plus de rides, on va essayer de faire un maximum de rides avant que ça ferme. Ici du coup il y a la nouvelle maison hantée qui est dispo pendant tout Halloween, donc vous pouvez y aller pour 5€ il me semble exactement, ouais 5€ c'est ça. Et en fait c'est dans la zone qui est en construction, donc ils ont déjà ouvert la maison hantée, mais la zone elle ouvrira, si je dis pas de conneries, en 2024. Deuxième journée sur le parc. Alors c'était pas prévu du tout que je fasse ça, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Je vais surtout parler d'Halloween, parce que là on s'est un peu plus concentré sur la partie Halloween du parc. Voilà, ça c'est une petite partie bonus de la vidéo. Ça c'est vraiment ce que je vous conseille de faire pour Halloween. On a fait le bar du Sanglier Born. Donc c'est un bar qui se trouve dans les rues de Paris. Et c'est un bar qui est complètement caché, donc je vous dirai pas où il est, c'est à vous de le trouver, c'est fait exprès. Et il y a une thématisation qui est extrême, les acteurs ils jouent à fond leur rôle, et on peut vraiment évidemment commander des poissons, les consommer, etc. Seul petit problème c'est que c'est tout petit, il n'y a qu'une seule pièce, et du coup l'attente est très très longue quand vous êtes devant le bar. C'était quoi, ma jolie liton? Les mômes de la cloche. Donc le bar du Sanglier Born, faites-le. Les maisons hantées sont sympas. Donc je vais pas vous parler des maisons hantées que vous connaissez déjà. Hein. La colère d'Anubis, tout ça vous connaissez déjà. Et alors elles sont sympas, mais sans plus. Par contre, la nouvelle maison hantée, la colère des dieux, elle est exceptionnellement bien. Je suis trop content parce que vraiment, tout ce que j'attendais d'Anaconda, la maison hantée de Walibi, et bah, c'est tout présent dans cette maison hantée. Elle est thématisée du sol jusqu'au plafond. Le sol, c'est des cailloux, du sable. T'es vraiment dans une immersion totale.
Il y a de l'eau, des fontaines, des cascades, les acteurs sont déguisés, mais jouent leur rôle à la perfection. Il y a des mecs au-dessus de toi, vraiment. Tout est parfait. Donc, vraiment, je vous conseille le tombeau des dieux. 5 euros, ça vaut largement le coup. Bon, je me suis mis un peu plus loin pour parler parce qu'il y a beaucoup moins de monde que tout à l'heure. Là, c'était la sortie du parc, donc évidemment, il y avait beaucoup de monde. Donc, là, le tombeau des dieux, mais je vous la recommande 50 fois. Elle est exceptionnellement bien. Je suis trop content qu'on ait ça, vraiment. Je vous donne un indice d'un truc que je trouve incroyable, c'est juste le sol. Le sol, vu qu'on est dans le désert techniquement, on marche sur du sable et un peu de gravier, des cailloux. Bref, le sol est thématisé, c'est pas juste du béton. Je ne vous dis pas plus, je vous dis pas ce qu'il y a, je vous dis pas les trucs incroyables. Il y a des trucs au plafond, il y a des trucs de partout, je ne vous dis rien. Sinon je vous dis du coup cette fois-ci, à très bientôt pour une très prochaine vidéo.